Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 22 septembre, un sergent de la VIPSU et un constable de la CID de Vakwa ont été arrêtés aujourd'hui par l'Anti-Drug and Smuggling Unit. Le sergent aurait tenté de revendre 30 grammes d'amphétamine à un membre de la TSU. Les choses ne semblent pas près de s'arranger entre le vice-premier ministre Ivan Kulandavelu et Roshi Badin. Interrogé par la presse, c'est par un non catégorique qu'Ivan Kulandavelu a indiqué que sa relation avec le ministre des Services financiers ne s'est pas améliorée. Le mystérieux cadavre retrouvé hier près d'une rivière à Caen-le-Vieux a été identifié par son frère. Il s'agit de Charles-Alexandre Louise, porté disparu depuis le 8 septembre. Un test ADN sera effectué pour confirmer cette identification. L'enquête de la police pour déterminer les causes du décès est-elle toujours en cours? Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'info en continu sur l'express.mu.